il a prié pour moi. Je bénis Dieu d'apporter un petit mot ce soir parce que je crois que on a besoin plus que jamais du Seigneur. Et le Seigneur, il a mis un petit mot sur mon cœur que j'aimerais vous partager. Et qu'en même temps, à moi, il m'a fait du bien. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean au chapitre 7 et verset 46, nul homme n'a parlé comme cet homme. Alors moi, je ne suis pas un grand parleur, mais j'étais en train de réfléchir à ce verset. Il y a des grands causeurs dans le monde. Des ministres, des présidents, des hommes de loi, des hommes qui ont un vocabulaire. Ce n'est pas des petits voyageurs. Ce n'est pas des hommes qui. Il y a certaines personnes dans le monde que c'est plus des avocats. Ce n'est pas des chineurs, comme il a dit mon oncle tout à l'heure. Nous, on s'est chiné, on s'est gagné un petit peu, on s'est un petit peu gagné notre vie. Et puis, s'il faut parler pour gagner un petit peu notre pain quotidien tous les jours, c'est à travers l'expérience que nous avons acquis parmi nos parents. Et tout ça, c'est presque facile de le faire. Pour d'autres, un petit peu plus. Mais moi, dans cette réflexion que j'aimerais vous donner ce soir par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas un livre que je tiens dans ma main moi, ce soir, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que le Seigneur il a à vous dire? Parce que quand je vois ce verset de la parole de Dieu, moi, ça touche mon cœur. Nul homme n'a parlé comme cet homme. Alors, il y a des grands hommes qui sont capables de nous parler, ils ont un grand vocabulaire. Et puis, eux, ces grands hommes dans le monde, ils sont capables de nous parler et de nous faire entendre ce que nous, nous voulons entendre. C'est facile, ça. Connaissent quoi dire, connaissent aussi quoi faire, et puis en une fraction de seconde, ils nous ont convaincus. Parce qu'ils cherchent une troupe de, je ne sais pas, monseigneur, dans le monde. Hein. Il y a des ministres, des présidents, ils font des votes, ils font des campagnes, et puis ils promettent tout monde et merveille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vote. On essaie de voter pour les meilleurs, parce qu'ils ont un bon vocabulaire, mais c'est plus qu'un mot que le Seigneur voudrait nous apporter pour chacun d'entre nous. Le frère, il a chanté là, j'ai trouvé dans ma vie un sauveur. Je l'ai trouvé un jour, moi, le Seigneur dans ma vie. Il a parlé à mon cœur. Mais le Seigneur, quand il a parlé à mon cœur, nul homme n'a parlé comme cet homme. Dieu m'a pas toujours dit les mots que je voulais entendre. Parce que Dieu, quand il m'a parlé, ben, des fois, j'aurais bien voulu me boucher les oreilles. Parce que j'aimerais vous le dire à chacun, à ceux qui sont au téléphone, à vous qui êtes là ce soir. Le Seigneur, il connaît le secret de vos cœurs. Un homme, comme il parle, même s'il parle bien, il ne connaît pas le fond de votre cœur. Il ne connaît pas votre vie. Il ne connaît pas votre mal-être, vos soucis, vos problèmes. Ce que peut-être que les gens vous aimeraient jamais dire à personne. Ben, le Seigneur, lui, avec des mots tout simples. Et c'est pas, vous savez, j'ai l'habitude de dire, moi, que le Seigneur, il n'est jamais trop dur avec nous. Malgré que des fois, un père, lorsqu'il va parler à ses enfants, le petit enfant, il peut trouver que son père, il est dur, que sa mère, elle est dure, mais l'amour d'un père, l'amour d'une mère, quand il parle à son bébé, ben des fois, le petit, il n'est pas trop content. Mais je ne sais pas comment vous parlez à vos petits enfants. Je crois que les paroles que vous donnez à vos enfants, ben c'est des mots, des fois, que je n'aimerais pas entendre, mais c'est des mots d'amour. Alors, nul homme n'a parlé comme cet homme. Et il y a une réflexion que j'aimerais, et qu'on connaît en plus, qu'on connaît. Pour moi, c'est les deux messages essentiels de la Bible, et je vous les apprends pas ce soir. Je vais pas vous les apprendre. Si je vous parle le message par excellence, c'est quoi? Ben, car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, c'est. Et Dieu, il parle comme ça ce soir-là. Nul homme n'a parlé comme cet homme. Il parle agréablement, Seigneur. Moi, quand j'entends de la voix de Dieu qu'il a donné son Fils pour me sauver, qui me comprend que le Seigneur, il n'est pas toujours en train de me viser du doigt en disant, t'es un pécheur, tu mérites la mort. Il n'est pas toujours en train de dire ça, le Seigneur, lui. Il dit, j'ai donné mon Fils pour toi, afin que tu croies en moi et que tu aies la vie éternelle. Mais le Seigneur ne fait pas que dire que ça. C'est l'un des premiers messages par excellence de la Bible. Mais le Seigneur, vous savez, qu'est-ce qu'il a prêché le Seigneur dans la parole de Dieu? Lorsqu'il se trouvait devant les hommes, lorsqu'il se trouvait devant les femmes. Et c'est un mot qui a interpellé mon cœur aujourd'hui. J'étais en train de rouler avec mon camion. Et le Seigneur, il a pu dire à des femmes, à des hommes, mais des hommes et des femmes responsables. Je ne parle pas à des enfants ce soir, moi. Et le Seigneur, quand il parlait, lui, il parlait à des personnes censées
des personnes qui connaissaient leur vie. Et le Seigneur, il est capable de vous dire à chacun d'entre vous, comme à moi le premier, j'ai donné ma vie pour toi, Yuri. Je t'ai servi le salut sur un plateau d'or. J'ai tout ouvert, j'ai déchiré le voile du temple. T'as pas grand-chose à faire, quoi. T'as juste à m'accepter. Et voilà les mots que le Seigneur il va dire. Et des mots pour moi qui m'ont beaucoup touché, que j'aimerais partager quelques versets avec vous. Parce que je crois que ce soir, il faut que vous soyez prêts à entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur, il a des mots difficiles, mais le Seigneur, nul homme n'a parlé comme cet homme. Et voilà qu'est-ce que je lis dans la parole de Dieu, moi, dans la Bible. Écoutez, quelle beauté, Seigneur, comment c'est beau. Il disait quoi, le Seigneur? Donc, vous savez, la voix de Dieu, c'est quoi la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est une parole, c'est un conseil. Mais ce n'est pas le conseil d'un être humain. Ce n'est pas un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Un homme peut donner un bon conseil. Un ami, un copain, un parent, un frère, une sœur. Mais le Seigneur, quand il parle, lui, ce qui me touche beaucoup, moi, dans Dieu, vous savez, il n'y a pas plus franc que Dieu. Et il est plus que franc, le Seigneur. Vous savez, c'est quoi la voix de Dieu? C'est la voix de la vérité. Il va vous dire, Seigneur, ce soir, la vérité. Est-ce que vous aimez entendre la vérité? Ben moi, pas toujours. J'aime pas toujours entendre la vérité. Comme la vérité me concerne à moi. J'aime bien écouter la vérité quand ça concerne les autres. Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Bien. Parce que quand ça concerne les autres, on est capable de dire, ah oui, c'est vrai. Il est comme ci et comme cela. Le Seigneur, il est capable de nous dire la vérité, et puis voici les mots de la Bible. Et il dit le Seigneur dans Matthieu, au chapitre 3 et verset 2, et il disait le Seigneur, repentez-vous, car le royaume des cieux est quoi? Est proche. Mais quand le Seigneur nous dit à moi, à vous, à chacun d'entre nous, à ceux qui sont au téléphone, à ceux qui écoutent la voix de Dieu ce soir, quand le Seigneur, il est capable de dire à quelqu'un, repens-toi, repentez-vous, c'est l'état d'une personne. C'est l'état, c'est plus qu'une attitude, c'est un méfait dans le cœur. C'est une action qui a été faite. Et l'action de tous les hommes, vous savez, c'est quoi? C'est le péché. Alors, je ne sais pas, mon Seigneur, je ne connais pas vos cœurs. Et puis, moi, je ne veux pas savoir vos péchés. Que Dieu m'en garde de les savoir. Mais j'aimerais vous conseiller, selon la parole de Dieu, si Dieu il a trouvé bon d'être... Il n'est pas dur avec vous, Seigneur. Mais si le Seigneur, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est parce que c'est l'état moral d'un homme, d'une femme qui vit selon ce qu'elle elle veut, ce qu'elle elle a décidé. Vous savez, des fois, on a tellement la caboche dure, des fois. Des fois, on écoute la vérité, mais des fois, on veut faire comme on veut. Et puis, le Seigneur, il fait nous répéter sans cesse, repentez-vous, repentez-vous. Il va dire dans Marc, chapitre 1, verset 15, il disait le Seigneur, le temps est accompli. Seigneur, un grand danger est imminent, il arrive sur vous. Vous savez, le grand danger dans le monde, Dieu revient bientôt. Mais l'homme, il est constamment en danger. La vie, ça fait partie de la mort. Et puis moi, je suis jeune, je ne veux pas mourir aujourd'hui. Ah oui, mais le Seigneur, il est le plus grand des conseillers. Repends-toi, parce que le lendemain, tu n'appartiens pas. Et puis je crois que vous savez, dans les mots qu'il nous dit le Seigneur, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Vous avez écouté des bonnes nouvelles dans le monde, hein? Le monde va vous mentir. Et c'est un mensonge de vérité en disant tout va aller bien, tout va s'arranger, vous êtes bien comme vous êtes. Mais le Seigneur, lui, nous dit quoi ce soir? Il nous dit la vérité. Il ne nous dit pas, le Seigneur, qu'on est toujours des bons garçons. Il ne nous dit pas toujours qu'on est des filles superbes. Mais il nous dit la vérité. Vous savez pourquoi il est capable de nous dire la vérité, Jésus, ce soir? Parce que lui seul connaît nos cœurs. Lui seul connaît nos vies. Lui seul connaît nos péchés cachés au fond de notre cœur. Et puis des fois, on peut le cacher à tout le monde. Mais le Seigneur, Seigneur, quelle belle parole ce soir. Je suis heureux et content d'avoir un Dieu comme Jésus qui a été capable de me dire un jour, Yuri, tu es un homme pécheur. Et si tu ne te repens pas, vous savez c'est quoi la repentance selon la parole de Dieu? La repentance, c'est la repentance selon la parole de Dieu, c'est ce qu'une mère éprouve quand elle perd son enfant. Imaginez-vous. Et vis-à-vis de ce que nous, qu'est-ce que vous pensez du péché ce soir? Est-ce que vous prosternez devant lui? Est-ce que vous l'adorez? Est-ce que vous le chérissez chaque jour? Ah non, Seigneur, demande-moi pas tout, mais pas ça, je l'abandonnerai pas.
Et laissez-moi vous dire que si on vit dans un état moral comme ça, dans un état d'esprit comme ça, ah ben on ne peut pas hériter le ciel. Parce que l'homme qui pêche, c'est celui qui mourra et c'est celui qui sera loin de Dieu. Mais vous savez, je vous dis de la part de Dieu, regardez tous ces petits pastes hein, encore cet après-midi. Et puis le Seigneur, que Dieu nous aide d'avoir cette repentance. Vous savez, une maman, quand on a perdu son bébé, qui n'a plus de vie en lui, comment je vais expliquer ça, moi, ce soir? Comment je vais expliquer, moi, hein? Alors, il y a ma mère, moi, qui est là à la réunion ce soir. C'est ma mère, je peux le faire. Mais si ma mère a perdu son garçon ce soir, vous iriez vers elle et dire, quelle souffrance, qu'est-ce que tu éprouves? C'est des mots impensables, ça. Et puis, vous savez, quand le Seigneur, il a fait voir notre vie par rapport au péché, est-ce qu'on risque? Où c'est on va y aller à cause de ça? Ah ben, vous savez, on devrait regarder le péché comme quelque chose de terrible. Et on devrait avoir ce remords, cette attitude dans notre cœur, au plus profond de notre cœur. Comment on se trouve devant Dieu? Pas devant les hommes, mais imaginez-vous un instant, vous et Dieu. Et le Seigneur, il vous montre votre vie, votre état de vie, votre cœur à l'intérieur de votre vie. Et puis, vous savez, je vous dis de la part de Dieu, moi, si j'aurais un beau costume blanc ce soir, et puis je me roulerais dans la boue, hein, et puis que je serais capable de me regarder, ben, je ne dirais pas que je suis bien, je suis frais. Mais je ne voudrais pas rester comme ça, et ça serait tout à fait normal. Et si le Seigneur, il a trouvé bon de vous le dire ce soir, avec des mots d'amour, c'est pas des mots d'accusation, mais le Seigneur il va dire ben, qu'est-ce que tu éprouves par rapport au péché? Ben, trop d'hommes dans le monde aujourd'hui, ils éprouvent par rapport au péché, vous savez quoi? Ben, de l'amour, l'acquisition, on peut tout acquérir. Même s'il faut pécher, même s'il faut faire, même s'il faut faire des choses qui déplaisent à Dieu par rapport à tout ça, ben, on veut continuer à vivre dans notre état moral de péché, de désobéissance. Mais laissez-moi vous dire, vous courez un grand danger. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17 et verset 30, il va dire « Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, pas qu'aux voyageurs. Il n'y a pas que le voyageur qui a besoin de se repentir. Il n'y a pas que le manouche, le cinti, les gradjés. Tous les hommes, en tout lieu sur la terre, ont besoin de se repentir. Pourquoi faire? Ah ben pour que nous puissions être réconciliés avec nous. Et vous savez, je crois que ce soir, le Seigneur n'est pas trop dur, il a mis tout en œuvre. S'il nous demande de nous repentir, c'est parce que le Seigneur, il a donné son Fils. Il a tout mis en œuvre. Et un jour, devant tous ces méfaits que Dieu a fait, devant cet acte d'action d'amour, on sera irréprochable. Comme si moi, je vais tout mettre en œuvre pour payer votre dette. Vous avez des millions d'euros à payer. Et puis bon, voilà, je vais bien m'organiser. Puis en plus, j'ai les moyens. Je vais payer pour vous. Et pourtant, vous allez rester dans les dettes. Vous allez rester dans toutes les choses qui pèsent sur vous. Ben, je crois que ça serait bien dommage, de la part de Dieu. Il faut se repentir. Écoutez ce qu'il dit le verset, quelle beauté. Dans les Actes 3, au chapitre 19. Repentez-vous. Toujours pareil. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Que le Seigneur il veut dans cette fin d'après-midi là, le désir de Dieu c'est que nos péchés soient effacés, pardonnés. Alors je ne sais pas comment vous allez arriver devant cette repentance, mais j'aimerais finir sur ce petit mot là, une petite histoire de la Bible, parce qu'il y a des hommes qui l'ont fait. Est-ce que vous êtes conscient que des hommes ont fait cette action, cet acte, ils l'ont fait dans leur vie? Vous savez, moi quand je vois le fils prodigue, il dit un homme, dans Luc au chapitre 15, verset 11, un homme avait deux fils. Mais vous savez, deux fils, c'est deux choix. Donne le choix. Je ne sais pas quel garçon tu vas être. Je ne sais pas quel fils tu vas choisir d'être. Mais le Seigneur, il va dire, voilà, un homme avait deux fils. Et l'un de ses fils va dire, mon père, donne-moi la part qui me revient. Vous savez, la part que le Seigneur nous a donnée, la plus belle des parts, la plus belle des choses que le Seigneur nous a données. C'est la vie. Ouais. Et puis vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Ouais. Vous avez le droit de la gâcher dans le monde. C'est ce qu'il a fait, cet homme, ce garçon.
Son père lui avait certainement donné la vie, lui avait donné des biens. Il est parti dans le monde. Il a tout dépensé à la popo. Il a amené sa petite vie. Je crois que chacun d'entre nous, nous l'avons fait. Et puis, s'il faudrait que j'explique la vie de ce jeune garçon, ce garçon dans la Bible, il est parti, il a dépensé tous les biens de son père. Il a profité de plein de choses. Mais un jour, la Bible nous dit que dans la ville où c'est qu'il était, une famine est arrivée. Vous savez, dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit, il peut arriver plus qu'une famine. Vous savez, qu'est-ce qui peut arriver? La perdition. Ce n'est pas une famine, c'est la séparation d'avec Dieu. Et ça, c'est la cause du péché. Et puis lui, vous savez, qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là, Seigneur, quelle beauté. Il va rentrer en lui-même. Ouais. Parce qu'il va dire, cet homme, combien chez mon père là-bas. J'avais du père en abondance. J'étais tellement bien là-bas. Il va dire, j'avais du père en abondance. Il va rentrer en lui-même. Et vous savez, je vous dis de la part de Dieu, de dire c'est bien. Le Seigneur, il est capable de vous le dire ce soir, avec des mots peut-être dur, difficile. Et puis moi, je ne veux pas expliquer vos fautes, vos péchés, je ne les connais pas. Mais si le Seigneur, il est capable de dire à un homme, repens-toi, c'est parce que dans la vie de cet homme ou cette femme, il y a des choses qui déplaisent. Et c'est à cause de ça que la porte du ciel. Et vous savez, cet homme, je crois que Dieu, il n'a pas que des mots. Il n'a pas que des mots. Le Seigneur, ce n'est pas que le mot qui parle. Seigneur, ce n'est pas que des belles paroles, c'est le Dieu qui agit, c'est le Dieu qui transforme, c'est le Dieu qui touche ton cœur. Ce qu'il dit, son bras d'amour. Tu n'as pas la paix, il est capable de te donner. Parce qu'il te l'a dit, il est capable ce soir d'effacer tout. Mais il faut que tu fasses comme ce jeune garçon. Écoutez, il aurait pu trouver dur, lui, de retourner vers ton père. Maman, je vais aller vers mon père, imagine-toi dans l'état que je suis. J'ai tout dépensé les biens de mon père, je vis dans le péché, dans la débauche. Je vais aller chez mon père, mais comment je vais faire? Ben, je vais le dire, mais voilà, je vais faire quelque chose. Écoutez la prière de ce jeune garçon, la beauté. C'est ça la vraie repentance d'un homme. C'est pas un petit sentiment sur un petit truc. Voilà, j'étais à la réunion, j'ai écouté un cantique, j'ai été, maman, ça m'a touché, j'ai été béni. Hein, ben, c'était bien la réunion ce soir. C'est plus que ça la repentance. La repentance, c'est un homme ou une femme qui est capable de faire ça. Je me lève. Est-ce que tu es capable de te lever pour Dieu? Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, je suis dans le bourbier, dans le péché jusqu'au bout? Parce que vous savez, le péché des fois, c'est pas la chose qui nous salit, mais le péché, hein, c'est des hommes, des fois, il est tellement beau, il est tellement agréable, il nous berce le péché. Et puis cet homme, vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je me lève. Une femme qui a pris la décision, je me lève. Et puis j'irai vers mon père. J'irai vers mon père et je lui dirai mon père. Vous savez, moi, si j'aurais mon père aujourd'hui, hein, je dirais peut-être. Mais mon père, parce que j'ai eu un père sur la terre, mais j'ai un père aussi dans le ciel. Et un jour, c'est ces mots que j'ai dit. Parlez pas à Dieu comme à un Dieu, cette repentance qui va sortir de votre cœur. Il faut parler au Seigneur, pas comme un Dieu, il faut parler au Seigneur comme un Père. Et cet homme-là, c'est ce qu'il va faire, lui. Mon Père, j'ai péché contre toi, mon Père. Et puis, je suis puni. Je ne suis pas puni. Vous savez pourquoi vous allez avoir la force de dire ça? Parce que quand vous allez avoir la force de dire ça, vous allez reconnaître votre état. Vous allez reconnaître votre perdition. Vous allez reconnaître que devant Dieu, vous n'êtes rien du tout. Et puis le Seigneur, lui, il est capable de tout vous dire. Mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé. Je ne suis pas digne. Mais traite-moi, Seigneur, comme l'un de tes ouvriers. Seigneur, vous ne voudrez pas qu'on soit des ouvriers ce soir. Mais le Seigneur, il veut t'accueillir comme fils. Alors, je ne sais pas, moi, fais cette prière au Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui s'approchent de Dieu, ils se croient dignes de tout. Plus malin que tout le monde. Quand vous arrivez devant Dieu, c'est pas à genoux, c'est à plein ventre. Qu'est-ce que vous êtes devant la présence, devant la royauté de Dieu? Il est tout puissant, il a tout fait. Et puis ce soir, parce qu'il a tout créé, qu'il est le maître de tout, il est capable de te dire à toi au téléphone, il est capable de te dire à toi qui écoute la réunion ce soir, t'es un homme pécheur et t'as besoin de te repentir. T'as besoin de demander pardon à ton Dieu.
Et si on est capable de demander pardon au Seigneur en se levant, en disant « Mon Père, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le ciel m'est fermé. Alors vous savez qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Je pose ma petite page et je vais finir sur ça. Ce qui m'a beaucoup béni dans cette histoire. Vous savez, moi, si j'aurais un garçon ou ma fille qui est là, hein, ah, je mets tout en œuvre. Permis, auto, bonne situation. Et elle apprend tout ce que je lui ai donné, elle va tout gâcher. Accident, permis enlevé, sous au volant. Ben oui, elle va avoir peur de venir voir son père, c'est normal. Mais parce qu'elle va être vraie, puis qu'elle va me demander pardon. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait le père en même temps? Il n'a même pas reproché en disant t'as mangé. Regardons les tactes. Parce que le pardon était vrai, parce que la repentance était vraie. Le père, il a appelé ses serviteurs. Il avait déjà une belle robe quand il était parti. Il avait son père. Mais parce que la repentance était vraie. Et puis, vous savez, la plus belle des robes, c'est la robe du Seigneur. Amenez-moi la plus belle des robes. Pourquoi là? Parce que le fils que vous voyez là, il était perdu. Mais je l'ai retrouvé et aujourd'hui, je vais le sauver. Et je vais lui mettre la robe du salut. Pourquoi? Parce que sa repentance, elle est réelle. Et puis, vous savez, la repentance selon Dieu, quand ça sort de nos entrailles, de notre cœur, ah ben le Seigneur nous donne la plus belle des robes, il met un anneau à nos doigts, il met des souliers aux pieds, et puis il nous fait rentrer dans l'entraille. Et puis vous savez, je vous dis de la part de Dieu, vous voulez rentrer dans le ciel? Je vous pose la question, vous voulez rentrer dans le ciel? C'est pas par des sentiments que vous avez. C'est pas par un frisson. C'est pas par ça que vous allez rentrer. Vous allez rentrer quand vous allez obéir le conseil de Dieu. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Et puis moi, laissez-moi vous dire, dans le royaume de Dieu, je vais rentrer. Et mon royaume, moi, vous savez, c'est lui, c'est Dieu. Et je vais être avec lui toute ma vie. Vous savez, on n'a pas la prétention, nous, les prédicateurs, d'avoir des ailes dans le dos. Nous aussi, nous avons besoin de se repentir chaque jour, de demander pardon au Seigneur pour des fois bien des actions. Mais je sais sur qui je peux compter. Il est mon Dieu. Il est mon maître. Ce que le Seigneur, il veut de chacun d'entre nous et de moi, le premier, c'est que nous soyons vrais dans notre cœur. Vous ne cacherez jamais rien à Dieu. Essayez de cacher vos péchés au Seigneur, vous pourrez les cacher aux hommes, à tous ceux qui vous entourent. Mais à Dieu, vous ne cacherez jamais rien. C'est pour ça que nous avons, vous savez, je crois qu'il faut avoir, il faut aussi avoir cette intelligence ce soir, cette intelligence que Dieu a besoin de nous donner. On cacherait quelque chose à l'Éternel? Il va cacher ton péché à l'Éternel. Ah ben c'est pour ça, réalisons ce soir que nous avons besoin plus que jamais de déposer tout au pied du Seigneur. Vous n'allez rien cacher. Un jour, vous devrez des comptes. Vous n'allez pas rendre des comptes pour le voisin. Vous allez rendre des comptes à Dieu pour votre vie. Et le Seigneur, vous savez, cette réunion ce soir, elle est marquée pour ce que Dieu. Le Seigneur, un jour, il vous reprochera peut-être. Et je ne le souhaite pas pour vous, Seigneur, de la part du Seigneur. Que Dieu n'a pas à vous reprocher cette réunion ce soir en disant « Tu t'en rappelles à telle date, je t'avais dit qu'il fallait te répondre. » Et que ta repentance, il fallait qu'elle soit vraie dans ton cœur. Et si tu t'aurais repenti ce jour-là, je t'aurais pardonné. J'aurais fait comme le fils prodigue. Vous savez, un homme dans la Bible, il y avait le Seigneur, il était sur la croix, il y avait deux brigands, un à la droite, un à la gauche. Et tous les deux avaient insulté le Seigneur. Tous les deux avaient dit des méfaits contre lui. Et l'autre, il y avait un homme repentant qui était là à côté du Seigneur. Et puis, vous savez, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, lui, cet homme là, qui est là, là, cet homme qu'on appelle Jésus, là, il ne mérite pas ce qu'il a, il ne mérite pas de mourir sur la croix. Mais nous qui sommes là, c'est pour nos crimes que nous sommes là. Et c'est tout à fait juste que nous soyons là. Et puis, lui, vous savez, il a reconnu ce qu'il était. Et puis, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur à cet homme? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, je ne sais pas quel homme tu vas être, toi, quelle femme. Tu peux être celui qui dit, ben moi, je suis à ma position, je suis bien comme ça. Et s'il dit une voix comme ça, ben moi, je ne pense pas que je suis comme ça. Et le Seigneur, il est capable de nous faire voir les secrets les plus cachés de notre cœur, connus. Ah ben, vous savez, je crois que le cœur de l'homme, il a besoin d'être changé. Et il a besoin d'être changé par cette repentance qui est réelle. C'est pas un petit frisson, je me répète, c'est pas un petit frisson. C'est pas une petite union. C'est pas quelque chose, un sentiment.
La repentance, c'est plus que ça. Vous savez, une mère qui a perdu son bébé, mais moi, j'irai pas vers elle en disant, ben, ça va y aller, ma soeur, t'inquiète pas. Non. Je crois que le seul, vous savez, c'est la personne concernée, qui est capable de dire qu'est-ce qu'elle éprouve dans son cœur. Alors, qu'est-ce que vous éprouvez du péché? Cette satisfaction, ben, si c'est comme ça, c'est bien. Mais un jour, le Seigneur vous demandera des comptes. Rejetez loin de vous les choses qui sont dans le monde. Parce que tout ça, que le Seigneur vous fait parler. Notre Dieu, je te loue. Et je te prie, Seigneur. Je te dis merci pour ta grâce, parce que nous avons besoin chaque jour. Oui, tu appelles les hommes à la repentance. C'est peut-être difficile d'entendre parfois ta voix, Seigneur, qui nous dit, demande pardon. Je connais ta vie, je connais ton cœur, je connais les secrets les plus cachés. Ah ben Seigneur, oui, c'est vrai, mon Dieu, tu connais ma vie, tu connais mon cœur. Tu sais comme je pense, tu sais comme je me couche, comme je me lève. Tu connais tout de moi, Seigneur. C'est pour ça, chaque jour, mon Jésus, on a besoin de se placer devant toi. Bénis tous ceux qui ont écouté ta parole ce soir, tous ceux qui ont besoin de se repentir, de trouver le salut, de trouver la grâce, Seigneur. Et je loue ton nom ce soir. Et je suis fier de toi. Parce que tu dis, ne cache rien. Et pour mieux réparer, Seigneur. Pour nous revêtir, Seigneur, d'un habit éclatant, Seigneur. Et je te loue, Seigneur. Je te dis merci, mon Dieu, pour ta grâce que tu m'as donnée dans ma vie. Parce qu'un jour, je me suis vu tel que j'étais, Seigneur. J'étais perdu pour toi. Mais tu m'as sauvé, Seigneur. Et j'ai reconnu mon état, j'ai reconnu ma vie, Seigneur. Et Seigneur, je suis fier de toi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu es mort, tu es ressuscité. Et tu habites dans mon cœur, dans ma vie. Et dans chacun de tes enfants, Seigneur, que tu as pardonné. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à toi. Merci à toi.